Le corps et l'apparence. Extrait. Nathalie Gasset. Reprenons. Réenchaînons. Qui est ce moi que je ne connais pas? C'est au-delà de mon apparence. Cette échappée insaisissable. Cet enfouissement rapide qui ne peut être suivi, poursuivi, de l'être vers son dedans. À moins que ce ne soit vers son dehors, vers son inaccessibilité en tout cas, à chacun et à soi-même. Simple préhension de l'être et appréhension, sans prise véritable. La surface se retrouve à chaque stade de l'effeuillage, et l'extériorité, l'apparence, la beauté, la laideur sont à chaque stade où se pose le regard. Amalgame des apparences. Succession où les unes peuvent devenir miroir des autres et tourbillon. Jeu, piège. Là où l'apparence est toujours là pour donner le ton, le plaisir, le lieu du plaisir. Un jeu où l'apparence est déjouée dans les différents niveaux du paraître. Perdu ou confondu, égaré, déplacé. Mise à l'index, la représentation. Mise en doute, en question. Posant question désormais, faites joute, prise en flagrant délit de simulacre, et relancée encore vers le questionnement, que signifie cette apparence? Que veut-elle montrer? Quelle a été la cause d'une telle apparence? Que nous exprime-t-elle? Et le corps là-dedans? Et le sport? Quel est mon corps dans le sport? Mon corps construit, pensé par le sport, développé, dans l'aspérité noueuse et rugueuse du muscle, qui doit devenir visible juste à la surface de la peau et décupler volume et puissance. Mon corps revu comme une mécanique mise au profit de mon projet. Mécanique aux performances éphémères, mécanique sensible aux états d'âme et bouleversée par la gestion de mon temps, de mes efforts, de mes priorités du moment, et de tous les accros physiologiques, chimiques, qui viennent encombrer une volonté du corps.